Tu te souviens de cet endroit? Non. Ouais, je suis déjà venu là. Peut-être un jour, notre mère nous amenait souvent ici. Explique-moi. Bref, pendant qu'il parle, on se présente. Bonjour, non, certaines pas bonjour. Sont là depuis voilà, les Moutetsu aussi, c'est Yubio et on se retrouve vite dans un nouvel épisode du Let's Play de Devil May Cry. Et aujourd'hui, on va en savoir plus sur Dent. Oh yeah. En même temps, on est un peu là pour ça de base, hein, ce jeu est fait pour ça. Mundus. Ah, Mundus, c'est un connard. Mais Mundus n'était pas seul. Mundus, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gars qu'on a vu au début de Dial qui est dans sa tour là, qui est le chauve là, avec sa prostitute. Voilà, juste pour vous dire, voilà. Sparda l'a trahi. Il est tombé amoureux d'un ange, Eva. Oh. L'union secrète d'un ange et d'un démon était inconcevable. C'est pas bien. Elle s'est produite, et elle fut suivie d'une naissance, celle de jumeaux, toi et moi. Des hybrides d'anges et de démons, les deux races rivales. J'aime bien l'état comme ils représentent leur vie en fait, lol. Comme c'était fait exprès. Il pourchassa les deux en fait. Tu as Eva de ses propres mains. Ouais, c'est pas très bien ça. Et exigea pour Sparda un destin plus cruel encore. Mm-hmm. Châtiment et souffrance éternelle. La partie SM pendant l'éternité, c'est ça. À jamais, tout le monde savait que les graines de la vengeance avaient déjà été semées. Car selon la légende, il n'y a qu'une seule race capable de tuer un roi démon. Les Néphilim. Ça tombe plutôt bien. Des hybrides d'anges et de démons. Ça tombe bien, vous êtes tous les deux des Néphilim. Néphilim et les Mêles. Toi et moi. C'est quand même la chance, tout ça, dis donc. Oh là 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 là. Mundus pensait qu'un seul enfant était né. Mais ils étaient deux. Et ils avaient été cachés soigneusement. Sparda arma ses fils. Rébellion pour Dante. Et Yamato. Pour Vergil. Like Vergil. Yeah. Alors, bon. Mundus a enfermé notre père et tué notre mère. Oui. Bravo. Et nous, on est un croisement d'anges et de démons. Bravo. Mère démoniaque, mère angélique. Nous sommes des Néphilim. Néphilim. Les seuls capables de tuer le roi démon. Bien. Comment? Fais gaffe, il y a un mec derrière. Un guetteur. Voilà. Putain de collabo démoniaque. Oh, des collabos. Je vais chercher Kat, elle va sortir de là. Tiens bon. Oui, bon, on n'est pas sorti quoi. Oh, drop him die. Bon, du coup, vu qu'on a des nouvelles armes, tout ça, on pourrait faire des trucs. Et aussi, accessoirement. Attends, viens par là, toi. Viens par là, je t'aime bien. Mais je t'aime mort. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, je me suis. Du coup, j'ai eu deux nouveaux trucs. Du coup, j'ai pu avoir. Attends. Attendez, venez par là, venez, attaquez-moi s'il vous plaît. Non, ça marche pas, ok. Oh, ta gueule, mentaliste. On te veut pas. On t'aime pas. Ouais, non, mais oui, ça on l'a vu, ça c'est bon, machin, mais si on court, machin. Ta gueule, oui, ta gueule, oui. S'en fout, s'en fout un tout petit peu. Non, en fait, j'ai, en fait, des... comment dire. Débloqué un... Comment dire. Une attaque, c'est pas une attaque en fait. J'ai. En fait, quand je fais une esquive parfaitement en mode démoniaque, en fait, ça donne un bonus de combat, mais il faut faire à frame près. Et là, bah, j'ai pas le. Enfin, la seconde près, pour être en français, quoi. Et du coup, là, j'ai pas en fait le rythme encore. Mais je l'aurai bientôt, je l'aurai. Ok! Le ravageur! Ça fait peur, ça. Bonjour. Voilà, ça. Là, je suis en mode... Et j'ai fait... Enfin, je suis en mode super. Et là, j'ai fait super beaucoup de dégâts. Et c'est cool. Allez, viens. Enfin, pas pour longtemps, par contre. Hein. Faut pas déconner, quoi. Crève. Voilà. Coup d'œil dans ta gueule. Ça te fera du bien. On va pouvoir se barrer maintenant. J'arrive. Attends, je prends un peu de sous, hein, s'il te plaît. Hein, parce que les sous, c'est bien. Oh. Je crois pas qu'il veut que je vienne tout de suite, là.
Écoute, je vais faire un tour, je reviens. Faut que je trouve un autre chemin. Ouais, c'est ça, je reviens. Oh, bonjour toi. Merci. Oh, ça c'est bien. Oui, ça me donne des sous ce truc-là. Genre une poubelle. Oh, je crois qu'il y a un peu trop de monde ici, là. Vas-y, attaque, 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 attaque. Vas-y, attaque. Allez, un qui attaque. Allez, un qui attaque. Quand vous voulez. Non, je fais trop rapidement, là. J'ai fait de la merde. Trop rapidement. C'est pas grave, on l'aura. Je le fais. Voilà, là, je le fais bien, là. Bon, par contre, ça sert à rien, puisque j'ai rien fait. Bonjour. Vas-y. Bon, pourtant, j'ai pas beaucoup de skills, hein. Je dois avouer que là, j'ai pas les armes que je voudrais. Oui, parce qu'on va débloquer d'autres armes, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Non, mais oh. Non, je m'en fous, je me barre. Ouais, game closer, rien à foutre. Je sais même pas ce que tu veux dire, espèce d'anglais, vas-y. Bonjour. Tu es une tronçonneuse? J'ai une épée. Je crois que ça va. Je crois que ça va aller pour nous. Bon, ça c'est chiant, ok. Voilà. C'est beige, yeah. C'est tout? C'est tout. Super. J'aime bien qu'ils nous mettent de la merde sur notre chemin pour qu'on se tabasse tout seul. Merde, il y a un truc là-bas. Ah, il y en a un là-bas. Il y avait un truc là-bas. Bon, tant pis. C'est pas grave. On en récupérera sûrement jamais, mais c'est pas grave. Yeah! Encore une rose bleue. La queue rose bleue. Ok. Ok, j'ai fait comme un gros porc. Attends, c'était où? C'était là, ok. J'espère que vous n'êtes pas pressé, hein, parce que là, comme je fail, voilà, hein. Voilà. Du coup, on pourra faire le truc, là, ici. Ah, si. Dommage qu'il n'y ait pas de truc pour aller plus vite. Genre un truc pour aller plus vite, quoi. Ça serait con. Ah, putain. Dan, t'es pas très maniable, monsieur, comme monsieur, hein. Voilà, on va vite y aller, maintenant. Oui! La rose bleue! Yeah! Voyage dans le temps et l'espace! Changeons d'univers! Oui! Toboggan de la mort! Oui! Pardon. Je me suis pété la gorge à faire ça. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir comme pouvoir? Parce que oui, quand on est ici, c'est qu'on a un pouvoir, hein. Je vous dis direct, voilà. Hein. C'est tout. D'ailleurs, un pouvoir assez bien, d'ailleurs. Bonjour. En gros, quand je suis en mode ange, si je fais deux fois saut, au lieu de faire un double saut, je vole. Oui. Enfin, je plane. Et je meurs comme un gros connard. Yeah. Et du coup, on peut faire les deux en même temps, c'est-à-dire double saut, plus ça. Oui. Et du coup, ça va un peu plus vite aussi pour y aller. Ah, c'est pas très très rapide, mais bon. Voilà, c'est déjà pas mal. J'aime mieux que tu courais comme ça, quoi. Yeah! Par contre, c'est pas super maniable, hein, on va pas super loin non plus, quoi. Yeah! Le dépôt de l'ange. Ça fait un peu comme le caca de l'ange, mais c'est pas ça du tout, en fait, que je veux dire, c'est pas grave. Bref, du coup, et aussi, après un truc, on peut le faire! Oui! Et c'est super classe, je trouve. C'est oui! Oui! Oui, je vais dire beaucoup oui. T'es pas en train de baiser, hein, Dent. Ça, je dis rien, mais voilà. Ah oui, d'accord, ok. Donc, en fait, il faut faire ça. Avec ça, oui! Les enchaînements qu'il faut faire, mon dieu! Oui! Et comment il se pose, quoi, après... Ouais, je trouve ça super classe, j'avoue. On va te péter la gueule!
comme d'habitude. Qu'est-ce que tu caches là, hein? Quoi tu caches, hein? Qui es-tu, toi? Pourquoi tu te rapproches à chaque fois? Pourquoi? Tu fais peur. C'est pas très très bien. Bon, maintenant qu'on peut voler. On peut voler vers eux. Non, les pathos, maintenant j'ai vu les pathos. Sauf que moi je les aime pas quand ils volent. Ok. Ok, il y a un peu trop de monde ici, j'aime pas trop. Ah, bonjour. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, c'est ça. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est ça. Voilà. Voilà, là on va être potes. Voilà. Voilà, là on va être potes, monsieur. Là on va pouvoir se taper vraiment là. Bon, j'essaie de faire le bonus d'esquive, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas toujours, hein. Il y en a avec des amis qui arrivent très bien, mais là non. Là, pas tout de suite. Ah oui, ok. J'aime bien la caméra des fois comme un bloc, c'est génial. Ouais, ça, qu'est-ce que tu tiens? J'y suis pas arrivé, c'est pas grave. Allez, je veux mon triple S. Ah, sadistique. Le maximum c'est triple S quand même, mais. Je suis pas encore arrivé. Allez, oh oui! Eh oui! Voilà. Et juste pour info, en fait, on peut recommencer le jeu aussi avec tous les pouvoirs de base. Donc avec tous les pouvoirs qu'on a accumulés dans le jeu. Et du coup, ce niveau se termine en 10 secondes. Vu qu'on va dans le stade du milieu. Et qu'on retourne après avec le vol. Et comme ça, on peut directement finir. Silver Sachs. Voilà. La banque d'investissement la plus puissante du jeu. Juste pour vous dire. Et qui est assez. Et c'est sympa de finir comme ça, assez facilement. Il s'agit de ça fait beaucoup de points d'un coup. C'est l'avatar humain de Mundus, le roi des monts. Mundus, je l'avais dit. Pour contrôler le monde. Pour Mundus, le monde n'est qu'un gigantesque élevage d'âmes humaines. C'est pas très bien. Il préfère que son bétail soit surveillé et docile. La surveillance se fait via Raptor News Network, un réseau mondial de télésurveillance, satellite espion et informateur. Donc le journal aussi. Les journalistes sont en cours, mon dieu. C'est-à-dire? Ce que tu tiens, la boisson la plus populaire de la planète, Virility. Il a changé la formule. Oui, vous me crachez, oui. Ça n'a pas d'effet sur nous, seulement sur les humains. Ouais, bon. De la peut-être pas en bois non plus, quoi. C'est quoi ton plan? C'est comme le coca. Voici le la coca, c'est pas bien. C'est de là que Mundus. C'est un roi démon qui fabrique. Lorsqu'il y est connecté, il est immortel. Mais il faut pas savoir comment il fabrique. Il le coca, de briser ce lien, pas et nos épées feront le reste. Oui. Bah, tu peux savoir, mais après t'auras plus envie d'en boire, hein, ça. Son attention. Non. Il est arrogant et impulsif. Et je suis sûr que le coca il fait pareil. Si vous verrez. Sa colère suffisamment. Oui, parce qu'on verra comment le Virility fait. C'est très 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 bien. En résumé, pour le tuer, il faut l'éloigner de la porte de l'enfer, et pour ça. On doit le mettre en rogne. C'est ça. C'est à peu près ça, oui. Et tu proposes qu'on se débarrasse de Raptor News Network et de Virility. C'est ça. C'est cool. On commence par quoi? Virility. Virility. Vas-y. On se tape la boisson après le journal. Mission finished. Oui, très court cette mission, hein. C'est juste pour récupérer le pouvoir, hein. Ça n'a aucun... aucun intérêt sinon, hein. J'ai fait 20%, ouais, les trucs. Mais en 7 minutes de jeu, ça va, tranquille. Ouais. Du coup, j'ai deux améliorations à faire. Cool. Mission suivante. Et du coup, on va faire un peu de magasin, amélioration. Alors, du coup, ce que je vous dis, j'ai esquive démoniaque, c'est ça. Hein, on a un bonus d'attaque. Et il y a aussi l'esquive angélique, c'est-à-dire qu'on peut aller s'éprendre beaucoup plus loin en un coup. Ce qui est pas très très utile, du coup on va pas l'avoir tout de suite. Coup de poing, coup de pied, bon, c'est quoi bon? Ah oui, non, c'est chiant, bon. Du coup on va peut-être améliorer l'arbitre, yeah. C'est quoi, Elan?
C'est pas mal. Je prends. Chut. Ah, ok, c'est ça la secousse. Destruction de la Trinité. Je veux. Attends, deux. Ouais, je veux carrément ça. Ça, je le veux, quoi. Je veux. Voilà, bref. On continue. Altère, pas seulement de l'utiliser pour briser les boucliers. Tu m'étonnes. Pas briser les os aussi. Ah, la férilité. Bonjour les humains, vous êtes contrôlés par des démons. Ça vous dérange pas trop? Dante. Fais attention. Mundus ne sait pas que j'existe. Je vais rester dans l'ombre jusqu'à ce que nous soyons prêts à frapper. Kat connaît l'usine de Virginie. Oh mon dieu. Est-ce qu'elle dit ça? Y'a un gros devant! Elle servira de guide. Ça va te tuer. N'attire pas l'attention. Trop tard. L'enjeu! Aou. Aou, aou.